Hello, coucou, bonjour à toutes et à tous, c'est Angel. On se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire quelques essais de tentatives d'upgrade de mon poneur. Je ne sais plus à combien de tentatives j'en suis, 7 ou 8 je crois déjà de fait, fail. Ou peut-être même un peu plus, enfin bref, j'en sais rien, c'est pas grave. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour montrer 3 nouvelles tentatives. Donc les compos sont craftés, je vous épargne le temps de craft parce que c'est full long, hein, entre la recherche des items, etc. ou autre. Encore que bonne nouvelle, depuis le fait que nous ayons tous des T6 en fait sur le monde et l'univers, en fait, le fait de pouvoir récupérer des chevaux T8 qui sont déjà avancés, au final revient au même prix, et pour le coup on en trouve beaucoup plus au marché, donc c'est quand même un gain de temps relativement considérable. Sachant qu'il en faut 5, 5 par essai par tentative, c'est quand même un bon plus, 750 millions à peu près par tentative, juste pour les. Donc prévoyez pour les personnes qui sont intéressées de le faire de prévoir un petit peu plus d'un milliard pour l'ensemble des compos en admettant que vous achetiez tout par tentative d'optimisation de poney. Il vous faudra aussi 2 montures, donc un mâle, une femelle de la race que souhaitez, sachant qu'actuellement au moment où je vous parle, nous pouvons faire soit le Pégase, soit la licorne. Pareil, un mâle, une femelle de chaque, niveau 30 minimum, peu importe que vous ayez ou non tous les skills, cela n'influe en rien. En revanche, votre optimisation. Ensuite, après, il vous faut aller au ranch de queue de pierre, ici, et puis parler au petit PNJ que nous avons devant nous, ici, aller dans l'écurie, sélectionner ici le mâle, aller dans éveil mythique, et puis après, glisser votre token ainsi que vos 2 montures. Le mâle d'un côté, la femelle de l'autre. Voilà. Et à partir de là, vous donnez un nom à votre monture et vous cliquez sur éveil mythique. Allez, on croise les doigts, pardon. Du coup, vu comme j'ai fait le mot, ça ne devrait pas fonctionner, hein. Alors, un échec. Voilà, première tentative. Hein. Grande surprise. Faut savoir que vous avez 3% de chance d'optimiser la monture, et ce, à chaque try, c'est fixe. Peu importe le nombre de fois, il y en a qui peuvent l'avoir au premier, d'autres qui peuvent peut-être faire une try, enfin, je ne leur souhaite pas, mais techniquement, dans les stats, c'est possible, malheureusement. Ceci dit, au prix de la monture, je pense qu'il vaut mieux arrêter avant. Allez, deuxième tentative pour la journée. On croise les doigts. Oh, encore un échec. Allez, la dernière tentative. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. J'espère vraiment que. On clique sur le mâle. Éveil mythique. On sélectionne le mâle. Ah non, attends, on va être généreux aujourd'hui. Allez, hop, la femelle en premier. Bonjour, mesdames. Ici, le mâle. On termine ici. Si c'est ça, en vrai, je vais ouvrir les portes tout souvent. Hein. Allez. Un petit éveil mythique. Ce serait bien que ça passe, en vrai, je serais content. Surtout que là, récemment, j'ai eu des bons petits up, la tenue. Là, ce serait un petit programme en plus. Et bah non, ce n'est pas pour cette fois. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si des personnes sont intéressées pour savoir comment éveiller leur monture, vous avez un lien vers un tuto en français qui a été réalisé par un de nos collègues en fait sur le site de Black Desert Online sur le forum, que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve prochainement, d'ici un mois ou deux, le temps de récupérer à nouveau quelques compos afin de procéder à de nouveaux trials. Peut-être que d'ici là, nous aurons le Doom sur lequel, bien évidemment, je ferai un focus plus intéressant. Parce que, bah, pour le coup, je suis un petit peu moins intéressé par le Pégase, mais bon, depuis le temps qu'on attend, à un moment, il faut quand même faire quelques essais, et bah, si j'en obtiens un, je serai quand même déjà très content. Allez, à bientôt, bonne journée à toutes et à tous, n'oubliez pas un petit like, un follow, et puis à très vite!